passé. J'adore. C'est pas quand il voit la pierre philosophale là-dedans? Ouais, c'est quoi? Je suis mis ça. Ouais. Le miroir. Le miroir de l'Isaïe. Ouais, il est plus grand, je crois. Ah ouais, c'est pas le même? Non. Bon, du coup, là en fait. Hein? Ah! Du coup, vu qu'on avait déjà utilisé direct le matin, et ben là on fait la queue, mais là c'est 10 minutes, donc on a couru pour faire vite, vite, vite. Du coup, il n'y a personne et on attend 10 minutes et c'est bon. Mais c'est trop cool parce que celui-là de Harry Potter, il est vraiment cool. Du coup, là, je vais pas filmer et je vais bien profiter de mon attraction. Ah, nous, on était là-haut tout à l'heure. Je suis trop pressée de le refaire, les gens. Je vous dis même pas. Là. Ok, là, on est dans le dans la boutique des baguettes. Ouais, ton vieux plastoc flingué. On a pas. C'est où le truc pour choisir ta baguette? Tu peux faire un truc où on te choisit? Je vais la perche. Du coup, là, on est descendu tout en bas, on a pris des trucs là. Oh putain, j'ai plus de batterie, il faut que je change la batterie. Est-ce que j'ai pris la batterie? Je sais pas. On est descendu tout en bas, on va faire la momie Transformers, si on fera Jurassic Park à la fin. Et attends, Franck! Ok. Je pense que je vais filmer la momie parce qu'apparemment, c'est super stylé. Ça me fait flipper, hein, tu sais, pour de vrai. Hein? Pour de vrai, ça fait flipper, ça. Mais non, c'est ça. Je sais, mais c'est bien fait, hein.
off the cliff and see how you soar. We'll watch her splat against the rocks. Peur, for what side? Les jambes elles sont pas en bas. No selfies, have some dignity, huh? Only 14-year-old girls on Snapchat do such nonsense. Et allô. Là on est à Transformers et je vais essayer de filmer un petit peu et après je vous fais la récap de la momie et de Transformers. Je sais pas. Il faut que je vous explique trop pour la momie, je m'y attendais trop, pas du tout. Oh, je l'aime, je l'aime. Behind you. Ah non, il va être fini. Mission d'accord. Come on, let's get out of this city. Bon, ok, je vous fais une petite récap. Là, on sort de Transformers. Les deux, c'était super cool. Par contre, la momie, je m'y attendais pas du tout. Oula, allô. Ouais, pour la momie, je crois que c'était un genre de... Vous savez, un petit train, il y a plein de décors. L'Égypte, les pyramides et tout, mais pas du tout. Moi je filmais comme tranquille et d'un coup. 3h15, Dumbbell Beach qui vient. Oh putain, ouais, j'aime trop Dumbbell Beach. Ouais, et du coup, je filmais comme si c'était normal. Et du coup, en fait, c'est un train qui part archi vite. Mais je m'y attendais pas. Et moi j'avais dit à tout le monde, ouais, c'est un truc tranquille et tout. Et on s'y attendait pas du tout. Du coup, après, ça c'était déjà trop cool parce qu'on le fait en avant et après en arrière. Et j'ai coupé ma caméra, j'avais trop peur de la faire tomber ou quoi. Et là, je vous ai filmé Transformers, c'est trop cool, c'est super bien fait. Franchement, il y a beaucoup de trucs 3D, mais souvent c'est les meilleurs parce que t'as beaucoup de sensations, ça bouge et c'est super bien fait. Du coup, je vous ai filmé un petit peu, mais pas tout parce que je voulais vraiment être vraiment dedans. Parce qu'à chaque fois quand je filme, je vois, je regarde ma caméra, est-ce que je cadre bien. Du coup, je loupe des actions, je loupe des sensations, etc. Donc je vous ai juste filmé le début, mais après je vous ai pas filmé parce que je voulais vraiment profiter. Et là du coup nous allons à... Ouais, je rapide pas. Et franchement c'est trop cool, franchement. Si vous, vous prenez les passes, vous payez ça 200 euros, mais vous faites pas de queue. Il est où Bobo? Il est là, Go. Vous faites pas de queue. Et si vous voulez vraiment faire tout le parc, vraiment, mais vraiment tout le parc, parce que ça ferme tout, ça ouvre à 10h et ça ferme à 18h, même les magasins et tout. Et si on n'aurait pas pris ça, franchement, on n'aurait pas eu le temps de tout faire et de profiter à fond. Et en même temps de faire les boutiques à la fin, parce qu'on va prendre au moins une heure et demie pour les boutiques. Ah merde. Tu vas être mouillé. Ok, du coup là on va faire Jurassic Park, on va être mouillé, donc je vais ranger mon appareil parce que j'ai vraiment pas envie qu'il soit mouillé. A tout de suite. Ça te va bien, un petit cracosard. Alors j'ai eu raison de ne pas voilà, je suis, mais on le voit pas hein. Je suis vraiment trempée à disposition de l'attraction. À la fin de l'attraction, il y a disposition plein de mouchoirs. Vous pouvez essuyer, on a les cheveux. On est trempé. Là on ne voit pas parce que c'est un tissu foncé, mais je suis vraiment toute mouillée, la culotte et tout, tu vois. Donc voilà, là on va faire un petit tour du store et après je sais pas ce qu'on fait. Hey, that's a really dirty martini. Looks like he's celebrating something. Maybe he got a development deal. In the back lot now, that's New York Street over there on your left. Wow. Oh,
Oulala. You? King Kong? Ah, je peux le voir. Ah, il est là, il est là. Je vous retrouve maintenant, il est 22h, nous sommes à la maison, on est rentré depuis un petit moment déjà, peut-être une heure, un truc comme ça. J'ai mangé des restes que j'avais emportés au restaurant, donc on ne mangera pas dehors ce soir. Ah, je suis crevée, j'ai tellement crié que je crois que je vais avoir très mal à la gorge demain. C'était une journée magnifique, j'en ai pris plein les yeux, ça faisait très 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 longtemps que je voulais le faire. Et je ne savais pas en fait que j'allais le faire un jour. Avant Universal Studios, il y avait de Los Angeles, il n'y avait pas Harry Potter, il a qu'ouvert cette année, me semble. Et j'en ai pris mais plein les yeux. J'étais heureuse comme jamais. Et honnêtement, quand il était. En fait, ça a fini tôt parce que, en fait, il ferme le parc à 18h. Et c'est extrêmement tôt. Je n'ai pas compris. Mais je pense que c'est parce qu'ils font aussi la soirée Halloween après. Donc après, ça, c'est, il faut encore payer pour faire la soirée Halloween. Mais ça doit être aussi une super soirée qui fait vachement peur. J'ai tellement kiffé. J'aimerais tellement y retourner déjà.
Les attractions sont tellement mortelles et tout ça. J'étais tellement partout, vous regardez partout, que j'ai peut-être pas pris bien le temps de vous parler pendant toute cette journée. J'ai plus le temps où j'ai pensé à filmer les attractions et pas forcément vous parler, ouais, comme voilà quoi. je voulais à chaque fois vous faire une récap à chaque attraction. Je sais pas si je l'ai fait d'ailleurs parce que en fait j'étais tellement ailleurs que là je m'en rappelle plus. Ce que j'ai oublié de faire, et parce que j'ai quand même regardé un petit peu ce que j'ai filmé, j'ai oublié de vous filmer dans les magasins. J'aurais tellement voulu vous montrer les boutiques, surtout Harry Potter, hein, parce que bon, après les autres c'est bien, mais je pense que quand même je vous ai filmé quelques trucs, mais Harry Potter je vous ai pas filmé parce que les boutiques Harry Potter on se réservait vraiment ça à la fin. À la fin on voulait se donner à peu près 2 heures pour les achats. Du coup, on a eu que 1 heure pour faire les achats et c'était vraiment chaud parce qu'en fait, 18h vraiment, ils te dégagent de Harry Potter, dans le monde d'Harry Potter, parce qu'à un moment, on a fait les achats et on sortait. Et en fait, dès que tu sors, tu peux plus rentrer dans le monde d'Harry Potter. Et du coup, c'était vachement short. Donc, Harry Potter, en fait, Harry Potter, il y avait le truc avec l'hippogriffe, je crois, c'est ça. Le petit train là qui était super flingué, c'était tellement nul. Et l'autre, vous êtes assis, c'est de la 3D et tout, c'était génial. Alors vous m'avez vu crier, mais parce que je m'attendais tout le monde pas à ça. Et je criais de fois de peur, mais je criais de joie en fait. Donc vous m'entendez crier, mais c'était de la joie. Et à travers la caméra, vous voyez pas les sensations que ça fait, vous voyez pas ce que moi je vois avec les lunettes. Et en fait, c'est des espèces de bras immenses. Parce qu'à un moment, on est resté coincé. La deuxième fois, on est resté coincé. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas dans le vlog, mais on est resté coincé. Et on était genre là, vous êtes assis. Là, vous êtes allongé sur le dos. Et là, vous êtes genre sur le ventre. Et nous, ça faisait ça, ça. Et puis, on était quasi sur le ventre devant les araignées et tout. Donc, sur ce, je vais clôturer ce vlog maintenant. Parce que je crois que c'est vraiment le plus long vlog de ce voyage. J'espère vraiment que ça vous a plu cette journée. Moi, c'était vraiment magique. J'espère que je vous ai bien fait partager à travers la vidéo et que je ne vous ai pas trop cassé les oreilles. Par contre, j'espère ne pas avoir de problème pour les droits d'auteur, de la musique, etc., du parc, parce qu'en général, les trucs Disney et tout, c'est relou et tout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous aussi, vous êtes allé à Universal Studios, dites-moi l'attraction que vous avez préférée. Moi, je pense que ça restera quand même Harry Potter, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Avec le Krusty Land. Mais Harry Potter, je pense que ça sera mon attraction préférée. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog. Bye!